Je sais qui vous êtes et ce que vous venez chercher ici. Je vous attendais. Restez où vous êtes. Ne bougez pas d'un millimètre. Qui êtes-vous ? Mon nom est Eden Shaw. Je suis le gardien de cette île. Le gardien ? Le gardien de quoi ? Et qu'est-ce que c'est que ces monstres ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Morton a définitivement franchi la frontière. Vous pouvez pas être plus clair ? C'est quoi ce bordel ? Ma faiblesse en est la cause. J'ai laissé des enfants jouer avec des forces qui les dépassent. Mais les légendes ne m'ont pas trompé. Vous voici parmi nous. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Je ne comprends rien. Vous comprendrez bien assez tôt. Allez à la bibliothèque. Les livres renferment de nombreux secrets. Prenez aussi cette amulette. Elle vous permettra de ne pas sombrer dans l'oubli avec tous les autres. Accomplissez votre destin. Sauvez-nous. Attendez, attendez. Je suis pas venu ici pour jouer. Je suis venu enquêter sur la mort de Fisk. Je ne vois pas de qui vous parlez. Charles Fisk, la cinquantaine, 1m85, cheveux grisonnants. Je ne vois toujours pas. Vous savez, il n'est venu personne sur Shadow Island depuis plusieurs mois. Bon, allez, maintenant, ça suffit. Oh, merde. Aline ? Carnby, vous en êtes où ? J'ai rencontré un certain Eden Shaw. Et qu'avez-vous appris ? Il en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire. Il prétend qu'il n'a jamais vu Fisk, l'ami dont je vous ai parlé. Et vous en concluez ? Deux hypothèses. Soit c'est vrai et Johnson et toute sa bande sont de sacrés bâtards, soit il ment et ça me fait un suspect de plus. Et si Fisk était venu mais qu'il n'a pas voulu se montrer, s'il s'était simplement planqué ? Non, ça ne colle pas. Je connais les méthodes de Fisk, il ne pouvait pas s'empêcher de poser des questions. Et peut-être qu'il n'en a pas eu le temps ? Que voulez-vous dire ? Les monstres, les créatures ? Mais Fisk est mort d'une balle en plein cœur. Ah, je vois. Ou plutôt, je vois rien du tout. Je vais trouver Oben Morton. Lui, il a les réponses à nos questions. Je commence à en douter.
Dans le grenier. J'y suis passée. J'ai remarqué qu'il y avait comme une sorte de trappe dans le plancher. Vous verrez bien, quand on marche dessus, ça sonne creux. J'ai rencontré Eden Cho, le vieil indien. Il m'a dit qu'il était le dernier chaman. Il prétend qu'il peut faire quelque chose pour arrêter cette folie. Vous croyez qu'on peut lui faire confiance? Je l'ai rencontré aussi. Il m'a l'air d'en savoir beaucoup plus qu'il n'a bien voulu m'en dire. Mais je crois que nous n'avons pas le choix. Il a besoin de 7 statuettes pour accomplir une sorte de rituel. Mais pourquoi ne les cherche-t-il pas lui-même? On peut l'aider. Sûrement. Et elles ressemblent à quoi, ces statuettes? Je sais pas trop. Elles représentent des animaux, je crois. Oh, bravo, avec ça on est bien avancé. Kambi, je suis sûre que c'est vraiment important. Je sais, je sais. On va lui trouver ces statuettes, et après on rentre chez nous. Et c'est où, chez vous? Je ne sais pas encore. On en reparlera plus tard. Terminé. Vous êtes revenu? Revenu? Mais de qui parlez-vous? Mais qui êtes-vous? Mon nom est Carnby, Edward Carnby. Je suis ici pour vous aider. Ne mentez pas. Vous êtes ici pour toute autre chose. Vous êtes avec la jeune femme. Aline? Vous savez où elle est? Elle doit être morte à présent. Vous savez, monsieur Carnby, de tous ceux qui ont posé le pied sur cette île, peu en sont repartis. Obed m'a dit qu'un homme lui avait parlé la semaine dernière, je crois. Obed était persuadé qu'il allait nous aider. Oh, Obed est un grand naïf. Cet homme, il s'appelait Fisk?
Charles Fisk? Comment peut-on être sûr de quoi que ce soit sur Shadow Island? Je sais que vous êtes venu pour faire du mal à mes fils. Non, non, vous vous trompez. Allez à la bibliothèque. Brûlez tout. Que les flammes purifient cet enfer. Mais, et vous? Je suis déjà morte. Allez au diable! Aline? Aline? Carnby? Je ne comprends pas le rôle d'Obed Morton dans toute cette histoire. J'ai l'impression que c'est plutôt son frère qui a les réponses. Son frère? Alan, le frère jumeau d'Obed. Ah, c'est donc ça. Il semble qu'Alan Morton soit... comment dire... diabolique. Ouais, je crois que c'est le mot qui convient. J'ai découvert qu'il avait tué son père, Howard, et qu'il s'était livré à des expériences sur son corps. C'est un monstre. Vous ne me dites pas tout, Aline. Je crois qu'Alan Morton, comme le docteur Moreau, des espèces de manipulations génétiques. Mais pas des animaux, des créatures de l'ombre. Ça expliquerait. Il faut les en empêcher. Carnby, tout ça me dépasse. Je mentirais si je vous disais que tout cela ne me dépasse pas. Allez, courage.
Ah!